La taxe kérosène, pourquoi pas, si elle est appliquée à tout le monde. Ce qu'il faut dans le domaine de la lutte contre la pollution et surtout pour satisfaire aux exigences de l'environnement, c'est qu'il y ait un effet mondial. Et dans ce cadre, l'accord de Paris était une bonne chose. Malheureusement, les Américains en sont sortis. Mais par exemple, nous, dans l'aviation, nous avons une organisation mondiale qui standardise un certain nombre de choses, qui est l'OACI. Et l'ensemble des constructeurs dans le monde, nous nous sommes engagés à réduire les émissions carbone de moitié d'ici 2040, malgré l'évolution du trafic aérien.